Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi, je ne sais pas à quelle date d'ailleurs. Elle va arriver bientôt. Oui, aujourd'hui, bah, vous l'avez vu dans le titre, journée à Disney avec ma soeur. Il est bientôt 9h, le parc ouvre à 10h. Et j'attends ma soeur depuis 7h30 ce matin. Et elle est toujours pas là. Donc apparemment, là, elle vient juste de m'envoyer un message qu'elle arrive dans 2 minutes. Donc je vais aller la chercher. J'ai même pas mangé. En tout cas, ça sera une journée super cool. Désolée, je me coiffe. Voilà. Ça va être une journée super cool. Parce que bah, c'est Disney. Puis c'est avec ma soeur. Disney, c'est souvent avec ma soeur. Et voilà, donc petite journée rien d'intéressant. Un legging noir mat pour être à l'aise. J'ai mis mes roches runs, bref. Et mon chemisier, voilà. Parce qu'il faut toujours mettre quelque chose de mignon quand on va à Disney. Vous voyez là mes reflets? Vous les voyez là? Je suis en train d'éclaircir un peu mes cheveux progressivement. Ouais, j'adore. Bon, ça va devenir roux en fait. Tout ça, c'est la queue pour Nemo. Ça va de tout là-bas jusqu'à tout là-bas encore. On n'est même pas encore arrivé. On est arrivé à l'heure exprès pour faire ça. Et il y a déjà 150 minutes d'attente. Et ouais. Ouais, et bah c'est la merde. Voilà les gens. Voilà. Bah non, bah voilà quoi. Je suis choquée. Ouais. Et moi aussi, elle me choquée. Choquée, bon bah c'est mort. C'est Bonjour à tous, on n'a pas dit bonjour. Hello. Nous sommes à Disney, ça y est. Et bah juste avant, je vous ai filmé la queue pour Nemo. C'est... J'ai jamais vu une aussi longue queue. Et c'est la merde parce qu'on est venu exprès tôt pour faire ça. Et bah c'est la merde parce que tout le monde a la même idée. On va voir la tour de la terreur. Et ça. On va voir la tour de la terreur ou pas? On est là, tu vas nous. Au revoir. Il y a du navire Ratatouille. Ah bah c'est la même merde, hein. Viens, on va voir. On l'a jamais fait Ratat. Fanny, regarde. Bah vas-y. Il y a du monde partout. J'espère que je... Ouais. J'espère que je vais pas avoir de problème pour les droits d'auteur. On est quoi? Les droits d'auteur, les musiques et tout. Parce qu'ils m'ont déjà supprimé. Et la vidéo de Halloween, ils m'ont supprimé. Hein. YouTube, ils m'ont fait... Tabasse. Ça n'a pas l'air de marcher. Donc là, nous sommes dans le monde de Toy Story. Si, c'est pas fermé. Viens. Ah, tu veux faire ça? Combien de minutes? 50 minutes. Ça vaut pas le coup. Eh oui. On aime bien faire ça quand on vient à Disney. On essaye tous les chapeaux, on fait des photos. Ça nous va bien? Non. C'est trop petit pour ma cabesse. Je fais tout tomber. Bon les gens, on sort de Pirates des Caraïbes, c'était bien cool, on a fait 5 minutes de queue. Là on va voir combien il y a de temps pour Indiana Jones. Ce n'est pas un miroir. Ce n'est pas un miroir. Et ouais du coup, je pensais à toi. Non c'est là ça. Je pensais à DJ, toi qui es venu 3 jours à Disney. T'es vraiment... vraiment la mauvaise période parce qu'il y a tout qui est en travaux, il y a tout qui est fermé et il y a plein d'accès qui sont coupés en fait, qu'on peut pas accéder. Et c'est vraiment super dommage, mais bon voilà, c'est quand même cool, mais c'est dommage quand même. Non, ça sent l'herbe coupée. Un monstre révèle un truc dans les Harry Potter. Ouais, du coup, il y a quoi qui est fermé? Il y a un truc qui est fermé au studio, je sais plus c'est quoi, c'est tout dehors. Ouais, dans Toy Story. Ici, il y a quoi qui est fermé? Il y a Peter Pan, il y a Space Mountain, Train de la Mine, plein de choses. En fait, tous les trucs cool, ils sont fermés, c'est dommage. Et là, vous avez la cabane de Robinson qui est plein de travaux là. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment dommage. Elle va dans le chez les petits. Oh non, en fait, elle est trop chaude. Sérieux? Mais comme t'as fait, je sens, mais je t'ai.
t'es pas quand tu fais des trucs de ouf. Putain, ça écrase mes pattes. Oh mon dieu. C'est pas ça. Je crois que je vais quitter la petite sortie. Tiens. Ah, il me dégoûte. Ça me dégoûte. Je me suis fait mon nœud. Parce qu'on a un Disney et ici personne ne juge, n'est-ce pas? Tu m'as dit, c'est quoi? Franchement, j'aime pas du tout. Non, t'as enlevé ton nœud, Kiki. Tu vas nous, ça va du tout. Non, mais il n'est pas tordu, il n'est pas tordu, il n'est pas tordu. En vacances, le tropique, il y a les oiseaux, le chant de la mer. Voilà, ceci n'est pas du tout. Eh, vas-y, vas-y. Avec mon nœud. J'ai l'impression que ça me rallonge la tête. C'est trop bizarre. Ça le fait pas. Ça, c'est Madame Selfie. Ça. En tropique. On dirait que t'as les cheveux courts là, ça te va bien. On dirait que tu les coupes à l'ancienne là. Quel... Non, j'ai oublié de retourner la caméra, mais regardez comment c'est beau. Une belle lumière aujourd'hui. Ouais. Ouais. Waouh. Trop beau. Trop, trop beau. Eh, qu'est-ce que t'en penses, une coupe comme as? Ça te va bien? Je sais. Mais j'adore les cheveux bouclés. Moi, ouais, je vais les cheveux comme ça. On dirait une meuf des années, je ne sais plus quoi, là, avec tes boucles. Vas-y, je laisse comme ça, c'est trop beau. Jamais couper la caméra quand tu parles, en fait, parce que... T'es trop belle. On va passer dans le château. C'est parti. C'est beau, hein. Il y a un écran français, alors tu tombes dans la mer. Bah là, tu fais au pif. Allez, on y va. Bon, bah, je te suis. Bon, je suis ma sœur, hein. Elle a jamais fait, je la suis. Il y a des petites portes. Ils sont où les fontaines d'eau? C'est beau. Ça donne pas trop envie de se baigner. L'eau là, ça donne trop envie de me baigner. C'est trop chou. C'est un truc à glace. J'adore. Sacré pille et sacré pille. Il va tomber le mien. Ouais, Perrier citron, j'adore. Maintenant qu'on vient là, on prend toujours ça. C'est trop bon. Bah là, il veut. Je me suis fait tellement mal au côté, moi j'étais en train de rigoler. Quand j'ai vu sa gueule avec son chien. Il était comme ça de le côté. Oh mon dieu, Stéphane, on avait pris des face-pages en fait. Je l'ai pu faire aussi. Grave.
On a pris des passe-passe et c'est vraiment cool, c'est ce qu'il nous fallait. Parce que nous, quand on arrive le matin, on commence par les trucs les plus sensations fortes en fait. Et là, il y a tellement de monde. Ah ouais, il y a tellement de monde. Laisse tomber. Donc là, on va aller manger quelque part. Ouais. Ça va, tu peux. Elle est partout là-bas. C'est la première fois que je vois une France. Donc là on est au restaurant Pirates des Caraïbes, il s'appelle comment? Oula, la Blue Lagoon. Ouais, on voit très mal, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Et là, en fait, il y a l'extraction Pirates des Caraïbes, il y a tous les bateaux qui passent à côté. C'est la première fois qu'on va faire le restaurant, chaque fois je vais le faire, ma soeur elle veut pas, madame a dit. Anniversaire parce qu'en fait on a Disney, mais c'est ma soeur qui m'a fait Disney. Voilà, et ça a l'air trop cool. Il est trop beau le restaurant, l'ambiance est trop cool. C'est trop marrant. Ouais, je te jure, on est bien installé, on a des super chaises. Hein, Cindy? Ouais. Les chaises en forme de feuilles. Ah ouais, j'avais pas su. En forme de feuilles. C'est trop cool. C'est trop bien. Je suis vraiment installée là où je voulais, vraiment près de l'attraction en fait. C'est trop bien. Donc on a déjà choisi. Du coup, on entre, on va prendre la salade des Caraïbes. Et en plat, on va prendre celui-là. Ouais. J'avoue. Bonjour. Bonjour. Ça va être cool. C'est trop bien. Donc, on vient de recevoir l'entrée, qui est très floue. C'est une salade des Caraïbes. Waouh, on voit bien. Ouh là là. Bon appétit. Vas-y. Hop. Ah merde. Attends, j'ai fini. Ah ouais, j'avoue, l'assiette elle est chaude. Hein. On a la suite. La graillance. Bon app. Ça le fait ou pas? Ça le fait. Hein? Tu es où? Où sont tes yeux? Tous les trous des yeux. C'est là. C'est bien. Ça y est, je vois. Tu vois. Putain. Oh. C'est dégueu. Oh. Combien de personnes l'ont fait avant toi? Ça me dégoûte. T'es belle. Je suis belle, on m'arrive. Oui. Attends, belle. À la base, on est comme as. Mais bah, ça marche pas avec les oreilles. Hein. Tu fais un peu la meuf hantée là, tu sais. Comment ça s'appelle? Dans les autres là. Comment ça s'appelle? Bah, sa tête. Quoi? Ça y est? Ouais. Tu vas nous essayer. Ouais. Ah, ça me fait gagner pas, hein. Bon, on se retrouve, il est 18h30. Le parc Disney Studio qui est juste là ferme à 19h, donc on est parti. Là, on a fait un peu les boutiques. On doit partir à 19h en fait, parce que on travaille demain. Et ma soeur, elle se lève à 5h du matin. Donc, on voudrait être rentré à la maison pour 20h. Et là, on va faire quoi? Les boutiques. Et là, on va voir si c'est une Indiana Jones. Ouais, on aimerait bien le faire. Et après, on va faire les boutiques. J'ai vu plein de trucs. Plein de trucs. Des tasses, des machins. La boîte à mystique avec la rose de Belle sous la cloche. J'ai vu quoi déjà? Les meubles de Belle. Le mug de Ariel. Les tes chaussures. Mes chaussures.
C'est quoi? Mes petites chaussures. Ah, il y a des soldes de ouf. Ah non, attends. Parce qu'il y a des trucs qui brattent de ouf. Même les vêtements politiques, c'est cher en général. Truc à 5 euros, 10 euros, la grande robe et tout. Et il y a plein de trucs à moins 70, moins 50. Franchement, c'est... Je pense que ça vaut le coup quand même à Disney, les soldes. Après, il n'y a pas tout. Tout n'est pas soldé. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est quand même pas mal. Et à l'autre côté aussi. De retour à la maison, il est bientôt 21h, je suis rentrée vers 20h30, un truc comme ça. Et je suis claquée et je voulais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. J'ai acheté comme d'habitude mes petits bonbons comme ça avec des secoupes avec de la poudre, pardon. Ensuite, comme d'habitude, je prends un gros paquet, pourquoi il n'est pas rempli ? Un gros pot de pop-corn comme ça, sucré, ils sont trop trop bons. Je me suis pris un énorme sachet qui pèse très très lourd. Surtout parce que en fait c'est les réglisses. Vous voyez les réglisses fourrées? Ça sent trop bon. Les réglisses fourrées là, c'est trop trop bon. C'est ça qui coûte super cher finalement parce que c'est au poids. J'ai pris plein de bonbons, j'ai pris des dents de vampire et tout. Je me suis pris une tasse. Et je voulais Ariel aussi, mais j'ai pris Belle. Parce que voilà. Mais Ariel elle est très très jolie aussi. Elle est comme ça. J'ai peur de la... J'ai pas envie de la casser. Donc là, tac. Tac. Voilà. Et dedans, elle est comme ça. Elle est très jolie. Et Ariel, j'aime beaucoup aussi. Je vous avais dit que je voulais une espèce de boule avec, avec la rose et tout. Mais j'en ai trouvé qu'une. Et elle était cassée, en fait. Et je voulais... la peluche de Mouchou et finalement je pensais la trouver dans le grand magasin, vous savez, dans à Disney Village. Finalement je ne l'ai pas trouvée, donc j'étais un peu dégoûtée. Ensuite j'ai d'autres trucs mais elles sont emballées et là j'ai vraiment pas le courage. J'ai acheté, vous savez, c'est des... dans les décos Noël vous avez toutes les chaussures des personnages, donc la chaussure de Cendrillon, la chaussure de Blanche-Neige, la chaussure de Belle, de Réponse, etc. Et la dernière fois où je suis allée à Disney, j'avais acheté la chaussure de Clochette, qui est trop belle. Je trouve que c'est la plus belle. Et là, j'ai acheté la chaussure de Belle, Blanche-Neige, qui est super belle, et de Réponse. Donc, je pense que si vous tapez petite chaussure Disney, vous allez le trouver sur Google. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vous fais des gros bisous. Bye.